Bonjour, je suis Claire Moreto, responsable des publications du dossier. Et puis on fait cette petite vidéo pour vous présenter un peu les services de publication donc, que propose le DOCIP. Donc depuis l'année dernière, il y a une nouvelle formule par rapport aux publications. On propose une note de synthèse, quelques notes de synthèse en fait, deux par an et un update aux délégués autochtones. L'update, j'espère que vous l'avez reçu par courrier l'année dernière chez vous. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi s'il vous plaît, parce qu'il faut absolument que vous le receviez chez vous. Et les notes de synthèse. Et en fait, les notes de synthèse, c'est plutôt des résumés de ce qui se passe en conférence internationale, typiquement le mécanisme d'experts sur les questions autochtones ou l'instance permanente. D'ailleurs, cette vidéo est aussi pour vous présenter la dernière note de synthèse sur l'instance permanente sur les questions autochtones, avec sa 16e session, qui porte sur le 10e anniversaire de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Un grand anniversaire et qui mérite donc, bien sûr, d'informer absolument tout notre réseau de délégués autochtones. Donc, l'update vise vraiment à informer d'une manière globale et annuelle sur les processus internationaux, alors que les notes de synthèse seront un peu plus spécifiques par rapport à ça. D'ailleurs, pour prendre l'information sur les notes de synthèse, je vais souvent dans les conférences, je prends les notes et j'essaie de discuter au maximum avec les délégués, dans un premier temps pour savoir quels sont vos besoins en termes d'information et dans un deuxième temps pour respecter bien sûr nos principes de neutralité et d'impartialité, ce qui est très important. Donc surtout n'hésitez pas à télécharger la dernière note de synthèse dont le lien est juste ici, là au-dessus, et surtout à me faire part aussi de vos suggestions, commentaires, l'utilisation que vous en faites sur le terrain, c'est très important pour assurer la pérennité du service. Et puis j'espère que vous allez bientôt venir à ma rencontre sur une prochaine conférence. Et surtout, vous voir bientôt aussi. Au revoir.